C'est un outil qui permet de mieux connaître le fonctionnement des pôles commerciaux. Il permet aussi d'appréhender les équilibres entre l'offre commerciale et la demande des consommateurs, et ainsi de définir la bonne stratégie du développement commercial. Alors, l'enquête mise à jour en 2021 compte deux volets. Le premier, l'analyse de la consommation et des comportements d'achat sur le territoire d'étude. On va donc étudier le profil de la population résidant sur le territoire, ainsi que le potentiel global de la consommation des ménages par famille de produits, sa répartition, donc des dépenses par circuit de distribution, et les principaux lieux d'évasion commerciale. Alors, le deuxième volet de l'enquête, c'est l'attractivité du pôle commercial principal du territoire. On va donc étudier la structure de l'offre commerciale du pôle, son chiffre d'affaires réalisé par circuit de distribution, par famille de produits. On va étudier la zone de chalandise et l'attractivité du pôle, le profil des consommateurs et l'évolution de la consommation. Alors bien évidemment, l'Observatoire est accessible aux collectivités et aux dirigeants d'entreprises ayant un projet commercial, qu'il s'agisse d'une création, d'une implantation ou d'un développement d'activité. Il suffit d'appeler la CCI Ouest Normandie et de demander le service étude. La Chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie, toujours à vos côtés sur www.westnormandie.cci.fr.